Bonjour et bienvenue sur Disney Récré en français. Aujourd'hui, nous allons jouer avec ce jeu de pâte à modeler qui s'intitule Barbe à modeler. C'est un jeu de pâte à modeler sur les barbes à papa et on va pouvoir en faire plusieurs aujourd'hui. Donc voici un gros plan de la boîte qui montre les quatre principaux personnages qu'on peut faire. Et il y a 50 autocollants pour personnaliser tous les barbes à papa qu'on va faire. Et voici le dos de la boîte qui montre tous les accessoires qui viennent dans ce kit. Alors on va ouvrir la boîte et voir exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Voici les autocollants. Il y en a 50 en tout. On peut faire barbe à papa et les autres personnages. Il y a un rouleau avec un barbe à papa dessus et une barbe à maman. Il y a plusieurs petits emporte-pièces. Donc voici un barbe à papa, un autre ici, un barbouille, une barbe à maman. Il y a également un rouleau. Et un rouleau à découper. Il y a 4 pots de pâte à modeler, orange, avec barbotine dessus, noir avec barbe à maman dessus, bleu avec barbidule et rose avec bien sûr barbe à papa. Il y a également une espèce de petit couteau qui va nous permettre de travailler la pâte à modeler. Et on va immédiatement commencer par faire barbe à papa avec la pâte à modeler rose. C'est une pâte à modeler qui est assez collante, très facile à manier. Voilà, on va maintenant l'aplatir comme ceci. Et on va pouvoir utiliser notre emporte-pièce. Et c'est vraiment très facile à faire. On va utiliser 7 autocollants. Et notre premier barbe à papa est prêt. Maintenant, on va faire barbe à maman avec bien sûr la pâte à modeler noire. Comme j'ai dit, c'est un petit peu collant. D'ailleurs, ça colle un peu au doigt. On va d'abord l'aplatir. Et ensuite, utiliser l'emporte-pièce. Et on a un moulage parfait. Il ne reste plus qu'à ajouter l'autocollant. Et voilà, nous avons une parfaite barbe à maman. Nous allons maintenant faire une deuxième barbe à maman. Et nous allons lui mettre 7 autocollants. Et notre deuxième barbe à maman est prête. On va maintenant faire Barbouille, l'artiste de la famille, et nous allons en faire 2. Et on va utiliser les autocollants qui ont des sourcils blancs. Et voilà, le premier est prêt. Et on va mettre un autre autocollant sur le deuxième. Et voilà, il a un visage très surpris dans le deuxième. Nous allons maintenant faire un deuxième barbe à papa avec une autre expression du visage. Et voilà, il a l'air très heureux. Il est temps maintenant de faire barbotine avec la pâte à modeler orange. Thank you.
Et voilà, nous avons deux moulages de barbotines, tous les deux adorables. Et maintenant, nous allons faire Barbidule avec la pâte à modeler bleue. Et voilà, c'était très facile de faire Barbidule, le scientifique de la famille. Nous allons aussi faire d'autres moulages avec ce rouleau. Il faut d'abord aplatir la pâte avec le rouleau normal. Voilà. Et maintenant, on va utiliser l'autre rouleau spécial. Et vous allez voir que c'est très facile. Il suffit simplement de le faire rouler tout doucement, et voilà. Et maintenant, on va tracer les contours avec le petit couteau qui est venu dans le kit. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Notre barbe à papa est presque parfait. On va tout de même lui rajouter un petit autocollant pour bien compléter le look. Voilà, maintenant il est parfait. Nous allons maintenant mouler Barbe à Mama avec le rouleau spécial. Et voilà, Barbe à Mama est aussi parfaite que celle avec l'emporte-pièce. Voici toutes les créations qu'on a pu faire avec ce jeu de pâte à modeler, Barbe à modeler. C'est vraiment un kit extraordinaire parce que c'est vraiment très très facile de recréer tous les personnages principaux de la série des Barbe à Papa. On a Barbe à Papa, Barbotine, Barbe à Mama, Barbouille et Barbidule. Et si on utilise de la pâte à modeler d'une autre couleur, on peut aussi créer d'autres personnages de la famille des Barbe à Papa. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Disney Récré pour de nouvelles aventures avec les Barbe à Papa.